Et tu es arrivé un lundi, silhouette esquissée dans l'encadrement de ma porte. Cette fois c'est beau. Cette fois c'est beau. Alejandro et Víctor Jaramillo, los toreros hermanos de la mitad del mundo. Mon frère. Je suis né le lendemain de la mort de mon père. C'est elle qui m'aide aujourd'hui, depuis le même dispensaire où papa vous a dicté ses derniers mots. Il fait moins froid ces temps-ci en Basse-Septimanie. Les ventres gonflés des bêtes portent la promesse du renouveau. La zone humide fait la fiesta. Le ruisseau descend vers sa mère. Reste Pasivae en sa maison torchée. C'est beau la poésie, Cortés. On a besoin des choses belles, mon ami. Ce sont ces choses-là qui me donnent envie. Envie de quoi? Envie de vivre. L'adaptation fut longue et bien plus douloureuse que je ne l'aurais imaginé. Je pensais qu'avec le temps, j'oublierais. J'avais tort. Chers amis, merci mille fois d'être aussi nombreux. Ils étaient 210 au départ, ils sont plus que 30 finalistes à l'heure où nous parlons. Il y en a 26 présents parmi nous. Les 210 auteurs, qu'ils le sachent, ont tout notre respect, sont dans nos cœurs, ils ont le même statut que celui qui va récupérer ce trophée. Il habitait à l'époque au Brésil. Je ne vous raconte pas les difficultés qu'on a eues pour le rapatrier en moins de 48 heures. Ça leur devaille à Nîmes. Je crois que même en jet privé, ce n'était pas possible. Il était là. De là, il nous a proposé, ça agit comme un déclic, le prix Hemingway pour lui, puisqu'il nous a dit « Je repars au Brésil, je gère quelques affaires et je redescends. » 15 jours plus tard, il était en résidence d'écriture à la Lonne. Il reprenait l'écriture de ses textes. Et il a décidé de ne plus repartir au Brésil pour vivre pleinement sa passion tauromachique. De fil en aiguille, il est passé chez Ataluego pour perfectionner sa monte au niveau équestre. Puis après, dans le sud-ouest, chez notre ami Bonijol. Et puis demain matin, il fait ses valises et vous savez où il part. Il a été recruté par Victorino Martín. Il devient l'aide du premier mayoral de Victorino Martín, près de Cáceres. Retenez le nom de monsieur Paul Ricard. Un monsieur passionné et passionnant qui adorait la tauromachie. C'est la raison pour laquelle je suis présent aujourd'hui, depuis 10 ans, avec nos amis du prix Hemingway, parce qu'il faut défendre nos passions.
Je ferai l'éloge d'Hemingway, Ernest de son prénom, pour redire que c'est un grand auteur qui n'a pas parlé que de tauromachie. Il a écrit aussi beaucoup d'autres choses qu'il faut relire de toute urgence. Et j'appelle en 2018 toutes celles et ceux qui voudront écrire des nouvelles pour ce prix Hemingway à faire audace de littérature en prenant la corrida comme un décor, comme une atmosphère, comme quelque chose qui vous remue l'âme, mais pas seulement comme sujet principal. Les cinq nouvelles qui se sont détachées sont « Il fait froid ces temps-ci en Basse-Septimanie » d'Olivier Morin, « Les pétales de la mémoire » de El Ibelde de las Colonias, « Le fils de la femelle du taureau » de Philippe Fabien, « Au milieu du monde » de Gilles Gaillot et « Duel » d'Alicia Paz. Et le lauréat 2007 du prix Hemingway et Gilles Gaillot pour sa nouvelle « Au milieu du monde ». Alors, je rappelle que Gilles était déjà finaliste l'année dernière pour sa première participation. Il est metteur en scène, comédien et auteur. Je vous félicite, je me permets de vous embrasser. Alors tout d'abord, je voudrais dire que moi, je suis homme de théâtre. Et d'habitude, j'ai absolument pas le trac dans mon métier. Et mon rapport à la littérature me donne un trac fou, en fait. Parce que moi, j'avais un peu le complexe du passionné de littérature, c'est que je me disais à quoi bon écrire, puisqu'il y a eu Hemingway, il y a eu Julien Gracq, il y a eu Arthur Kessler, Emmanuel Bove et tant d'autres que j'aime. Et en fait, il faut se décomplexer, il faut tenter la chose. Alors, donc cette année, j'avais choisi l'Équateur, et je me suis rendu compte qu'à l'Équateur, il y a le milieu du monde. Et je me suis dit, quelle est la personne qui n'est pas au milieu du monde? Ben, c'est un autiste. Il est au milieu du monde, mais voilà, il est coupé du monde. Et en fait, j'ai raconté l'histoire d'une fratrie, un frère autiste et son frère qui va devenir torero. Et cette incommunicabilité qu'il y a entre eux, et grâce, entre autres, à la tauromachie, et ben les deux frères vont se rencontrer. Je ne vais pas m'étaler sur l'histoire parce qu'il faut la lire maintenant. Et je voulais juste citer un petit tibétain de trois lignes qui dit « J'ai vu quelque chose au loin, j'ai cru que c'était un animal, je me suis approché, j'ai vu que c'était un homme, je me suis approché encore et j'ai vu que c'était mon frère. » Merci. La seule idée d'affronter un taureau lui a fait se redresser les épaules et donner à la voix un timbre de basse chantante. Mon frère, mon petit frère, avec mes gestes maladroits, mes mots tortus et mon regard de côté, j'aurais voulu pouvoir partager avec toi cette bonne nouvelle. Mais une fois de plus, ce soir, je suis face à toi comme dans un miroir sans teint. Je te regarde et toi, tu ne peux pas me voir. Et quand le taureau surgira pour partager avec toi l'expérience de la mort, tu seras pareil à moi, un être différent pour les autres, loin de la norme et du mensonge. Tu écriras avec ton corps les 6 lettres du mot vérité. Moi, je ne deviendrai pas Mayoral, il n'y a aucune chance. Par contre, ce prix Hemingway m'a décomplexé sur la littérature. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que je vais attaquer un premier roman. Voilà. Donc le prix Hemingway sert bien à quelque chose de très important. Merci. Merci encore d'avoir été bienvenue. Merci beaucoup. Et puis moi, c'est une histoire aussi avec Nîmes, quoi. Je dis toujours, moi j'ai la tête au nord et le cœur au sud. Donc voilà, ce prix Hemingway, ça me renforce encore plus mes relations avec cette ville, quoi, avec laquelle je coexiste depuis 40 ans maintenant. En tout cas, un nouveau chemin, voilà. Un nouveau chemin. En tout cas, bravo. Merci Jean-Pierre.